Au sommaire de l'actualité, des kits d'installation et un fonds de roulement de 80 000 francs CFA. Que de joie pour les bénéficiaires, des femmes retirées récemment de la rue dans la région du centre. Elles ont été formées en aviculture traditionnelle et en gestion d'unités économiques. Un nouveau départ pour ces ex-femmes de la rue. Témoignage en début de journal. Aujourd'hui, samedi, le marché de Orodara fourmille actuellement de monde. Les fruits sont à portée de main puisque nous sommes dans le verger du Burkina. Les légumes, par contre, sont chers, faute de retenue d'eau aux fins de maraîchage. À suivre également la une, la pratique du sport de maintien qui prend de l'ampleur au Burkina, notamment dans les grandes villes. Fitness ou aérobique, on en parle avec Florentine Ouedraogo, la présidente de l'association des coachs et fitness du Burkina. Mais avant de développer ces titres cap sur Pau, le président du Faso y est il y a quelques heures pour la sortie officielle des officiers, des élèves officiers de l'Académie militaire Georges Namano de Pau. Aussitôt arrivé, le chef de l'État a eu des audiences avec des personnalités depuis Pau, suivant le reportage de Dramane Guéné. Pau est en liesse. La capitale du Nouri prépare un accueil au président du Faso. Quelques instants plus tard, l'hôte du jour est là. Bain de foule du président Rochmar Christian Kabore. Le président du Faso est dans la capitale du Nouri dans le cadre de la sortie de la 20e promotion de l'Académie militaire Georges Namwano. Puis, direction son pied-à-terre. En même temps, s'ouvre la série d'audiences. Le président du Faso veut écouter toutes les couches de la province. D'abord, l'administration conduite par le gouverneur du Centre-Sud. De la reconnaissance au président du Faso, mais aussi des doléances de la région portées par le gouverneur. Notamment la route Norida-Manga qui est très très dégradée. On a beaucoup de barrages aussi qui ont cédé. On a des commissariats de police que nous sollicitons la construction parce que vous savez que la zone du centre-sud est une zone frontalière avec le Ghana et on a beaucoup de forêts. Donc on a besoin vraiment de beaucoup d'agents de sécurité pour jouer au travail de sécurisation de ces massifs forestiers-là. Ensuite, c'est le tour des bonnets rouges. Les chefs coutumiers sont venus échanger avec le chef de l'État. Dans l'agenda, plusieurs autres groupes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap et bien d'autres. Merci Dramane Guéné. À l'occasion de la cérémonie officielle de sortie des élèves officiers de l'Académie militaire Georges Namwano de Pau, placé sous le très haut patronage de son Excellence le président du Faso, président du Conseil des ministres, chef suprême des Forces armées nationales, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées ce samedi 28 août 2021 à 18h dans l'enceinte de l'Académie. Leur limite d'arrivée est fixée à 17h30, une cérémonie à suivre en direct sur les antennes de la télévision du Burkina. Comme annoncé, une quarantaine de femmes retirées des rues de Ouagadougou et des communes environnantes, puis formées en aviculture traditionnelle et en gestion d'unités économiques. Elles ont reçu des kits d'installation et un fonds de roulement. Le département de l'action humanitaire, leur ministère de tutelle, souhaite qu'elles soient économiquement autonomes. L'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, leur tend également la main. Amadou Ilboudo, Oumou Sissé. Il y a quelques mois de cela, ces femmes étaient dans la rue avec leurs enfants et faisaient de la mendicité. Aujourd'hui, grâce à l'opération de retrait des enfants et femmes de la rue, ces femmes se sont totalement métamorphosées. Et pour les accompagner, elles reçoivent ici des kits d'installation composés entre autres de poules, d'un coq, d'abreuvoir et d'un fonds de roulement de 80 000 francs CFA. Je remercie le ministère en charge de l'action humanitaire de nous avoir sortis de la rue. On a tellement souffert dans la rue et avec cette initiative, nous sommes très contentes. Nous allons pouvoir mener des activités et subvenir à nos besoins et aux besoins de nos enfants. Mais avant ce don, ces femmes au nombre de 42 de la région du centre ont suivi une formation en technique d'élevage traditionnel et en gestion de microfinance.
Nous allons les organiser encore plus parce qu'il y a certaines femmes qui sont plus ou moins habiles pour le tissage. Donc nous allons les former à cela et pourront tisser à la maison et puis surveiller les enfants et surveiller l'élevage et ça va leur procurer encore plus de ressources. Donc celles qui sont attirées par le tissage ou d'autres métiers ou la couture ou les petits commerces ajoutés à l'élevage, nous allons les accompagner dans ce sens. Mais c'est minimum 3 ans de suivi que nous allons faire sur ces femmes. Un peu plus tôt, c'est le centre de prise en charge des victimes de violences basé sur le genre de Basse-Cuit qui a vu ses capacités opérationnelles augmenter grâce à ce don de matériel de l'Organisation internationale pour la migration OIM. Un appui en ordinateur, en imprimante et des fournitures de bureaux. Attention, les services vétérinaires et la Ligue des consommateurs du Burkina donnent l'alerte sur des produits impropres importés à la consommation. Ce sont donc des produits impropres qui sont donc importés ici au Faso. La saisie dans les rayons des supermarchés, ces produits saisis ont été incinérés. Il s'agit essentiellement des saucisses provenant de l'Espagne, des saucisses contenant de la salmonelle. Urbain Binuto Sommet, et bienvenue dans ça. Des produits impropres à la consommation, retirés des rayons et incinérés ici à la plateforme d'incinération des déchets biomédicaux de la ville de Ouagadougou. Selon les services vétérinaires qui ont opéré la saisie, il s'agit de saucisses contenant de la salmonelle, une bactérie qui produit des toxines provoquant des infections intestinales. L'opération a été menée en collaboration avec la Ligue des consommateurs. Au niveau international, il y a les autorités sanitaires des aliments qu'on appelle InfoSan International qui suivent à travers le système européen qu'on appelle RAF la traçabilité des produits dans le monde entier. Et c'est cette organisation-là qui a un comité au Burkina Faso qu'on appelle le réseau InfoSan Burkina avec un point de contact d'urgence qui a été alerté de ces produits importés venant de l'Espagne par notre opérateur économique et ils nous ont demandé de réagir dans les 24 heures pour pouvoir saisir les produits parce que ça fait des ravages en Europe. Et sur ce, nous avons vraiment dans la même journée trouvé l'opérateur économique et nous avons essayé de ramasser tout ce qui était produit dans les rayons de vente. Ce n'est pas des quantités très très importantes mais c'est important d'autant plus que chaque plaquette contient déjà de la salmonelle et qui pourrait donc causer de la salmonellose. C'est autour de 600, 200 et 500 pour les différents types. Le président de la Ligue des consommateurs assure plus d'inquiétude à se faire. Toutes les saucisses impropres à la consommation entrées sur le territoire burkinabé ont été tracées et saisies. Asmane Traoré invite par ailleurs la population à observer la prudence nécessaire avant toute consommation d'aliments importés. Backbone et e-Burkina, deux projets majeurs du ministère du Développement, de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale passés à la loupe. C'était mercredi dernier au cours de l'atelier bilan de mise en œuvre des projets et programmes du deuxième trimestre de l'année 2021. Explication de Sekou Zongo. Les acteurs du ministère du Développement de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale sont ici réunis pour évaluer les performances des projets et programmes du département pour la période du deuxième trimestre de l'année 2021. 4 projets et programmes sont ainsi sous revue et il en ressort un taux d'exécution financière acceptable et un fort taux d'exécution physique. L'exécution physique est sensiblement supérieure à 30%. Donc, il y a une bonne réalisation des objectifs au cours de l'année. Le progrès, en tout cas, est fort louable. Maintenant, pour l'exécution globale, depuis le départ de ces projets, on note que la plupart de ces projets, une partie est autour de 70% d'exécution financière et une autre partie est autour de 40%, d'où une moyenne de 70% d'exécution financière. Les grosses performances physiques du département sont tirées par le projet Backbone national des télécommunications et le projet d'appui au développement des TIC. Toutefois, des difficultés freinent le bon déroulement de l'ensemble des projets et programmes. Nous avons des difficultés
lié non seulement au contexte que vous connaissez de la COVID-19 et sécuritaire. Donc ça freine un tant soit peu la réalisation des objectifs, mais nous avons bon espoir en tout cas qu'avec les décisions qui seront prises à travers ce cadre de concertation, nous aurons des solutions pour améliorer leurs performances. Cette instance de suivi et d'évaluation des performances des projets et programmes du ministère du Développement de l'Économie numérique, des postes et de la transformation digitale est une tradition au sein du département. Le projet e-Burkina, le projet d'appui au développement des TIC, le projet Backbone national des télécommunications et le projet d'infrastructure de communication de l'Afrique de l'Ouest sont concernés par cette revue. 400 millions de francs CFA comme subvention du gouvernement aux entreprises de presse privée pour l'exercice 2021. Elles sont déjà passées à la caisse. Elles ont donc reçu leur chèque, mais le fonds d'appui à la presse privée tient à leur rappeler les dispositions en matière de dépenses publiques. Hier, à Bobo-Dioulasso, des responsables des entreprises de presse privée ont été outillés sur le processus de montage des pièces justificatives. Les précisions de Drissa Traoré et Adama Julien Dambélé. C'est une formation sur les dispositions en matière de dépenses publiques au profit des acteurs de la presse privée. Une initiative du Fonds d'appui à la presse privée, conformément à la recommandation de l'unité de vérification du ministère en charge de la communication. Cette séance a pour objectif d'outiller les responsables des entreprises de presse privée sur le processus de montage des pièces justificatives de l'utilisation de la subvention de l'État. Nous avons octroyé il y a quelques jours de cela, donc le 30 juillet dernier, une subvention de 400 millions à l'ensemble des presses bénéficiaires qui sont 106. Il y a un arrêté conjoint du ministère des Finances et du ministère de la Communication donc, qui oblige ces entreprises de presse-là à fournir des pièces en bonne et due forme. Et ce matin, nous sommes là pour que les différents bénéficiaires donc, s'approprient ces outils-là et puissent vraiment être en règle et dans les délais qui sont fixés. Cette formation s'articule autour de trois points essentiels, à savoir l'utilisation adéquate de la subvention octroyée à l'État à la presse privée, la présentation du CANEVA du rapport détaillé et la production des pièces justificatives conformes à la réglementation. Une démarche appréciée par les participants. Cette formation vient à point nommé parce que, étant du privé, alors quand on vous dit de justifier des fonds en fonction d'une nomenclature ou en fonction des règles de l'État, ça devient difficile pour nous. Alors donc, en venant nous former, je crois que cela va nous permettre effectivement de comprendre exactement comment il faut justifier ces fonds-là pour être en règle. La formation de Bobo-Dioulasso regroupe 19 participants venus de 4 régions du Burkina Faso. Une formation du même genre se tient simultanément à Tenkodogo et deux autres sont prévues à Ouagadougou le 31 août prochain. Le grenier du Burkina est inondé par des eaux de pluie, des champs envahis, mais aussi des voies quasi impraticables dans la Kossi depuis mi-août. Environ 1000 mm d'eau ont été enregistrés en moins de 10 jours dans les communes de Nouna et de Gibasso. Il y a fort à craindre, selon nos reporters Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Ces habitations n'ont pas résisté à la furie des eaux. Ces événements se déroulent dans la province de la Kossi, plus précisément dans les communes de Bourasso, Dokui et Nouna. Ces producteurs désemparés nous racontent les calvaires qu'ils vivent depuis le début du mois d'août, période de forte pluviométrie dans la région. Ici, à Tonsere, village situé à l'est du pont de Bagala, ces exploitants des superficies agricoles ont les pieds dans l'eau. Ça vaut 4 semaines maintenant, on ne peut même pas travailler. Toujours il y en a l'eau. Puis la pluie là aussi vient, l'eau là ça passe pas. Donc tous les mines là sont gâtés, les sésames, tout sont gâtés. L'année passée là j'étais venu mais c'est pas comme ça. Cela fait bientôt 2 semaines que ce jeune a abandonné l'exploitation familiale pour secourir les usagers du pont endommagé de Bagala. Bon, cette année on a cultivé maïs, le riz, sésame. Actuellement, même quand tu pars t'arrêter, tu as envie de pleurer même. Les inondations dans cette partie de la boucle du Mouhoun sont courantes. Chaque année, c'est le même scénario.
Jusqu'à la date du 20 août, nous étions autour de 498 mm pour ce qui est de la commune de Nona. Pour la commune de Gibasso, nous étions à 540 à la deuxième décade du mois d'août. Le cas des inondations de cette année, en fait, c'était un peu particulier. Ce n'est pas forcément lié à la pluie tombée. Les inondations sont dues au débordement d'un affluent du Moun, notamment le Cossin, qui a donné son nom à la province qu'on appelle la Cossie. En fait, c'est ce débordement qui a fait qu'un certain nombre de villages ont été touchés. Les techniciens de l'agriculture évaluent les dégâts de ces inondations à travers des collectes de données auprès des ménages et des producteurs. Lorsque l'eau est sous les cultures, on ne peut pas d'office déclarer une perte. Voilà, la perte est liée au délai de séjour de l'eau sous la culture et les fonctions aussi de la sensibilité de la culture. Si nous avons la chance que l'eau se retire, on peut espérer beaucoup de choses toujours. Voilà, si l'eau doit séjourner pendant longtemps sur la culture, c'est là qu'on peut s'attendre de grandes pertes. Pour ces producteurs, c'est une campagne agricole qui s'achève difficilement au regard des eaux toujours stockées dans les champs. La rubrique Une semaine à Orodara nous conduira d'abord dans la palmeraie de Théodore Barrault, 3 hectares consacrés à l'activité. Pour lui, la production de cet oléagineux, le palmier à huile, nourrit bien son homme. Salifou Bilem et Amandine Larsaga l'ont rencontré. Témoignage. À main nue, il grimpe. Aucune mesure de sécurité. C'est pourtant un palmier de 7 mètres. Un geste fastidieux et risqué qui est devenu une simple habitude pour Théodore Barrault. Il exploite une palmeraie de 3 hectares ici à Orodara. Le travail est très difficile. Pour pouvoir grimper, aller enlever même avec les épines, tout le monde ne peut pas tenir aussi. C'est la raison pour laquelle tout le monde n'a pas planté. En pleine récolte, il est aidé par les membres de sa famille. Des centaines de régimes sortent régulièrement de sa plantation. Et cette année encore, il espère un bon rendement. J'ai eu 250 régimes en 2020. En 2021, on n'a pas fini, mais ça dépasse les 300 régimes. Mais la récolte n'est pas finie jusqu'à présent. J'ai une famille de 36 personnes. Mais on nourrit la famille dans les palmiers. Après plusieurs années d'expérience, Théodore Barrault est passé maître dans la culture de ce oléagineux. Ici à Orodara, nous on peut produire et puis ça va rester comme la Côte d'Ivoire à Orodara ici. Je vais d'ici 2025, je vais agrandir mon champ jusqu'à 10 hectares. Théodore Barrault ne s'inquiète pas trop pour l'écoulement de ce régime. La concurrence n'est pas très rude par là. Il peut compter sur les commerçantes installées au marché de Orodara. Nous étions également dans les vergers du Vieux Barrault, grand producteur d'agrumes à Orodara. Pour la saison agricole 2020-2021, il totalise à lui seul une production de plus de 2000 tonnes d'oranges. Le septuagénaire possède en effet 10 hectares d'exploitation consacrés à la production d'agrumes. Son portrait avec Salifou Bilem et Amandine Larsiara. À plus de 70 ans, Mamadou Barrault continue de travailler dur dans sa plantation d'agrumes. Père de 24 enfants, il exploite plus de 10 hectares ici à Orodara. Une partie de sa superficie est consacrée à la production d'oranges. Un agrume à haut rendement très prisé dans la localité. Pour réaliser vraiment un champ d'oranger, il faut être esclave même du champ. Au début, c'était tellement difficile qu'il y a des moments même pour trouver à manger, c'était compliqué. Et on prenait le néré pour diluer pour manger. Sa production est pleine d'espoir cette année. Le septuagénaire s'assure que les parasites n'affectent pas ses orangers. C'est la principale difficulté des producteurs d'agrumes. Ce qui nous fatigue ici, c'est la mouche. Il y a une mouche qui gâte les fruits pour nous ici. Mais si on avait de l'engrais, vraiment ça allait être une bonne chose pour nous. Passionné, dévoué, engagé, malgré le poids de l'âge, Mamadou Barrault, à l'évidence, n'entend pas prendre de retraite de sitôt. Même si visiblement,
la relève semble être assurée. Nous les garçons, nous sommes 10. Et si tu as, une fois que tu atteins l'âge de te marier, le vieux te trouve une femme et maintenant il coupe une portion et te donne. Et ce que tu fais aussi, le vieux a l'œil là-dessus pour voir est-ce que tu pourras vraiment travailler pour prendre ta famille en charge. C'est-à-dire, tu suis quoi. Moi, je me suis marié depuis 2010 avec beaucoup d'enfants. Si le rendement est à la hauteur des attentes du vieux barreau, son principal défi reste l'écoulement. Néanmoins, il espère empocher sur chaque hectare 500 000 francs CFA. Dans le Kénédougou, l'on produit des fruits en quantité. Si vous êtes sur place, vous le constaterez ce samedi, jour de marché de Orodara. Il y a beaucoup de fruits, mais peu de légumes. Conséquence, la hausse du prix des légumes, ce que déplorent les clients. Les producteurs, eux, pointent du doigt l'insuffisance des retenues d'eau pour la maraîchiculture. Salifou Belem, Amandine Lalsara. Ambiance timide ce samedi au marché de Orodara. Ici, l'allée des fruits. Les visages en disent long. Aucun client à l'horizon. Un peu plus loin de là, les vendeuses de légumes et de tubercules guettent également l'arrivée de potentiels clients. Il est 11 heures. Derrière son étal, Dame Koné s'impatiente. Une seule cliente reçue depuis ce matin. Je suis dans ce marché, ça vaut 20 ans. Mais depuis que je suis là, la galère de cette année-là, je n'ai jamais vu ça. Pas de marché. La rengaine est fredonnée devant la quasi-totalité des étals. Comme ici, chez le boucher qui se tourne les pouces. Ça ne marche plus. Donc, on peut tirer un B, faire avec trois jours comme ça. Il faut regarder. Trois jours comme ça. Là. Bon, vraiment, on voit que vraiment jusqu'à présent, ça ne va pas. Les quelques rares clients rencontrés déplore la cherté des prix des produits. Regarde ces tomates-là, qui descend. Si j'achète ces tomates-là, descend. Comment est-ce que je vais payer des choux? Il y a beaucoup de condiments que j'ai envie d'acheter. Les condiments sont devenus chers. Tu peux faire plus de 10 tours du marché avant de savoir ce que tu dois acheter. Et quand tu sais même, si tu ne fais pas attention, même, tu vas partir avec l'argent même des vendeuses même dans le marché. Entre manque de retenue d'eau dans la localité et difficulté d'approvisionnement, du côté des commerçants, plusieurs raisons sont avancées. Les gens disent que les condiments de Orodara sont chers. Ce n'est pas nous. On ne cultive pas ici. On va payer ailleurs pour vendre ici. On va faire comment? Par exemple, ce jour-là, on peut vendre ici à 250 ou bien à 200. Arriver à Bobo, pour prendre en gros là-bas, revenir, on te dit 250 là-bas. Pourtant, tu as vendu ici 200. Et repartir payer à propos 250. Revenir ici, comment tu vas vendre? Le marché de Orodara se tient chaque samedi. Un marché dominé par la vente de fruits, surtout en période de récolte. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le rire est thérapeutique. Il faut alors vous laisser aller. Le camp Vacances Humour de l'Institut supérieur privé polytechnique de Ouagadougou, 6e édition, a refermé ses portes après 2 semaines de formation. L'ISPP veut de nouveaux talents pour préparer la relève dans le domaine de l'humour au Burkina. Bernard Kombelem, Amadou Marcelto. Occupation scénique. Improvisation, chorégraphie humoristique. Des modules acquis par ses apprenants durant les 2 semaines de formation de Camp Vacances Humour. Une initiative de l'humoriste Jean-Aimé Bailly, plus connu sous le nom de Babena Chic-Choc, pour susciter l'art chez les jeunes. C'est vraiment de préparer la relève. Parce qu'il faut avouer que nous sommes une génération, on va dire partante, c'est comme ça qu'on va dire, il faut tendre la perche aux plus jeunes. Ma satisfaction est que d'abord j'ai diminué le taux de chômage au Burkina Faso parce que Soum le Sapeur est passé à travers ce camp Vacances Humour, les Homo Toké sont passés là, Momo l'intellectuel est passé par là. Aujourd'hui ils vivent à 100% de l'humour. Ça fait d'abord quelque chose de bien pour le pays, parce qu'il faut travailler pour le pays. Et de deux, il faut avouer quand même que ces mêmes humoristes touchent les mêmes cachets que moi aujourd'hui. Ils voyagent même, ils partent un peu plus loin que moi. Donc voilà un peu ma satisfaction. Pour cette 6e édition, K-Vacances Humour a mis l'accent sur la promotion du civisme, le respect de l'autorité et des droits humains. Vous voyez que le thème
portée par cette édition est d'actualité. La question du civisme, la question du respect de l'autorité de l'État. Nous pensons que ce camp a participé, au-delà donc du divertissement, a participé donc à sensibiliser les jeunes à ces valeurs-là. Avec une trentaine d'apprenants formés cette année, Camp Vacances Humour compte s'élargir à un plus grand nombre de participants et dans d'autres localités du Burkina pour les prochaines éditions. Merci Amadou. Je vous invite cette fois dans le chef-lieu du Zandoma. Il y a un grain à Gourcy comme on en voit rarement. C'est un lieu de regroupement des personnes de tous les âges. Depuis une trentaine d'années, la parenté à plaisanterie est le ciment du groupe. Loin de servir d'un simple cadre de détente, ce grain est devenu un laboratoire de solutions aux problèmes de la vie quotidienne. Nomwende, Constantin Ouedraogo et Karim Bikianga, reportage. La nuit tombe sur Gourcy et c'est le retour dans les domiciles après une journée de travail. Dans le quartier Kalga, ce groupe donne pourtant des vises comme si de rien n'était. Entre tasses de thé et discussions sur l'actualité, il y a ces instants de détente. Mahamoudou, du clan des Nounossé, s'en prend à la mine un forgeron. Ces derniers sont des parents à plaisanterie. La parenté à plaisanterie, voilà l'une des forces de ce grain trentenaire. Même M. Forgeron, il y a des Yarsé, des Nakomsé, qui sont des Ouedraogo. Il y a aussi ce qu'on appelle Benda, voilà, les Konkobo par exemple, les Sawadogo qui sont Yonyonsé. Les Yarsé, les Forgerons et les Benda sont des parents à plaisanterie. Ce grain a commencé comme un groupe de camarades pour devenir plus tard celui des parents à plaisanterie. Le fondateur du grain a quitté ce monde il y a 25 ans, mais le groupe tient et même plus fort. Jeunes et vieux s'y retrouvent sans distinction d'âge. Le groupe est même passé pour un cadre de recherche de solutions. La fille a été venue ici. Bon, ils l'ont vu, ils ont dit que, ah, que celle-là, vraiment, c'est une bonne fille, une belle femme. Bon, et ils vont vraiment faire les démarches là pour moi. Et je n'étais pas au courant. C'est 3 jours après, quand j'étais de passage, ils m'ont dit que, ah, que la fois passée là, ils ont vu une femme ici, une jeune fille, et ils vont faire les démarches là pour moi. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Bon, ils ont même fait les démarches jusqu'au mariage. Des histoires à succès, il y en a par dizaines, tout comme des moments de friction. Quand surviennent les désaccords, ils appliquent la méthode du dialogue et du pardon. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un débat avec mon petit frère Brémo Dera. On s'est parlé vraiment très dur. Je lui devais de l'argent. Le lendemain, il est venu, il m'a remis mes 5 000 et puis il est parti. Et la façon dont il m'a donné, nous on ne se réclame pas d'argent ici. J'ai compris qu'il y a quelque chose. Je suis allé appeler mon petit frère à la maison. J'ai dit, la dernière fois on a échangé Dera et moi. J'ai cru comprendre que je l'ai offensé quelque part. Et effectivement, il est parti le voir. Il lui a dit, ah, moi je l'ai appelé, je me suis excusé pour notre histoire de la dernière fois, c'est moi qui ai tort. Et on a réparé ça comme ça. Le grain a des membres dans plusieurs villages du Zondoma. C'est l'exemple de Taslima et de Tobiyongo, des localités situées chacune à 17 km de la ville. Le groupe effectue des sorties périodiques dans ces villages pour rendre visite aux siens. Dans le registre sport, je le disais, la pratique du sport de maintien prend de l'ampleur au Burkina, notamment dans les grandes villes. Des sportifs de plus en plus convaincus. Les stadins n'hésitent plus à occuper des espaces publics sous les instructions de coach sportif pour faire du fitness ou de l'aérobic. Jérôme Tiendrebiogo, reportage. Zachary Daouda est un coach de fitness. Ancien handballeur international, coach Zachary a dû renforcer ses connaissances pour se reconvertir dans le fitness coaching. Formation de préparateur physique en Allemagne et recherche complémentaire en ligne pour mettre au goût du jour ses connaissances dans une activité en plein essor. L'homme officie aujourd'hui pour le compte de Cardio Hit. Nous faisons des exercices d'amaigrissement qu'on a déjà dénommé défi transformation. Nous faisons les cours aérobiques. Nous avons aérobic bâton, aérobic step,
savon aérobique simple. Nous faisons aussi la Zumba. Nous faisons du cardio box, ainsi de suite. On a des cours vraiment très variés. Une variété de cours pour un objectif bien précis. Et l'objectif d'abord, c'est amener la personne à se surpasser. À se surpasser, c'est-à-dire quand tu es fonctionnaire, pour que tu puisses avoir plus d'intensité, être toujours en forme d'abord. Quand tu es en surpoids, ça t'amène vraiment à t'équilibrer en fonction de ta taille, en fonction des activités que tu mènes et en fonction de ton besoin. Et c'est justement pour contrer son obésité naissante que Mariam Nikiéman s'est lancée dans le fitness. J'avais 84 kilos, si je ne me trompe pas, oui, c'est 84 kilos. Il y a deux mois de cela, je pense, j'étais descendue à 74. Les bienfaits sont indéniables, mais attention aux coachs sans réelle connaissance. On croise des gens, tu es danseur dans un club, tu réunis quelques personnes, tu dis bon moi je suis coach, tu les apprends à danser. L'intensité que tu les administres, est-ce que réellement tout le monde peut suivre cela? Toi tu ne sais pas. Si toi tu danses, tu suis le rythme de la musique, d'autres sont en train de souffrir derrière toi. D'où la nécessité d'une certaine andragogie. Agissant dans ce sens, l'association des coachs de fitness du Burkina organise des sessions de formation au profit des acteurs avec des experts du ministère des Sports et des Loisirs. Il faut arriver à préparer la séance, il faut arriver à l'exécuter selon les normes. Et l'autre grande difficulté, c'est la gestion des adultes. Comment se comporter devant des adultes pour prendre en compte les préoccupations de l'adulte, pour qu'il soit motivé et pouvoir revenir la prochaine fois. L'adulte, différemment de l'enfant, sait ce qu'il veut et le coach doit prendre en compte le projet individuel de l'adulte pour pouvoir l'intéresser. Le niveau de connaissance des coachs est un pan de la problématique de la bonne pratique de sport de masse au Burkina. C'est dans l'obscurité de la place des martyrs que Mariam Nikiéma et ses camarades suivent les instructions de coach Zachary. On en vient à la page entretien de ce midi magazine. Notre invitée est la présidente de l'association des coachs et fitness du Burkina, Florentine Ouédraogo Sanouidi. Merci d'être là. Merci, merci de m'avoir invité. On vous a vu dans les images de Jérôme, déjà coach. Quels sont les risques liés à la pratique du sport seul ou avec un coach professionnel? Il y a beaucoup de risques. Parce qu'un coach non formé, un coach qui se fait dans le tas, peut blesser les clients, comme ils disent, ou les pratiquants. Un coach non formé est vraiment un danger pour la santé des individus. Parce que vous savez, et ce sport-là se pratique à partir de peut-être 35 ans en allant. Parce que les jeunes ont d'autres objectifs, les jeunes ont d'autres cadres pour s'exprimer. Donc ceux âgés de 35 et plus sont sujets à des blessures fréquentes. Si le coach n'est pas formé, on risque d'avoir vraiment beaucoup de désagréments. Et nous avons voulu, après la création de l'association, parce que les jeunes, les coachs ont vu que leur activité allait prendre un coup s'ils n'étaient pas formés. Parce que vous avez vu à tous les coins, dans la ville de Ouagadougou, il suffit qu'on ait un peu d'éclairage quelque part. J'amène mon poste radio et je commence à faire du fitness, de l'aérobic, du body, tout ce que vous voulez. Alors que c'est très, très dangereux. On a fait la formation d'abord sur la pédagogie, parce que en sport, c'est la pédagogie qui est là. Parce qu'il ne faut pas prendre des gens, commencer à les faire du n'importe quoi, au risque de détruire leur santé. Moi, souvent, au parc Bangoro, je n'y vais plus, hein, parce que j'ai peur quelqu'un ne me frappe. Vous allez voir des gens qui réunissent des gens et leur font des mouvements proscrits depuis longtemps. Des mouvements qui ne sied plus, qui blessent, qui ont blessé et qui continuent de blesser. Et moi, j'interpelle parce que, vous savez, si quelqu'un se blesse, si vous partez faire ce sport, du sport avec quelqu'un qui n'est pas formé, vous vous blessez, vous avez dit, j'ai fait du sport, je me suis blessé. Et là, c'est le sport
qui est devant, alors que c'est vous, c'est le coach qui n'a pas, qui ne connaît pas son métier, qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc c'est pour cela que nous avons vu la nécessité de former. On a fait une formation en pédagogie et puis à l'aérobic et puis un peu de secourisme, ce qui est très important aussi. On retiendra qu'il faut nécessairement un coach professionnel. Professionnel. Coach, mais quels sont les problèmes auxquels votre association fait face, puisque vous l'avez dit, il y a des risques. Il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. Mais nous voulons d'abord qu'il y ait une reconnaissance, une réglementation dans ce domaine-là par le ministère des Sports. Nous voulons aussi, nous tendons à une fédération de coachs, de coaching sportif, ça se voit ailleurs. Et comme ça, ça va nous permettre d'explorer aussi l'extérieur. Et nous avons la reconnaissance surtout, la reconnaissance, la réglementation, et vraiment que le ministère jette un œil sur ce qui se fait. Parce que ce n'est pas organisé. C'est pour cela que nous avons fait cette association, pour essayer d'organiser. Et moi, j'ai été très, très, très satisfaite parce que quand on a lancé la formation, nous avons eu 71 coachs qui sont venus s'inscrire pour la formation. Et on a vu qu'ils étaient intéressés. Ils en voulaient parce que, bon, peut-être qu'ils ont cherché des formations qu'ils n'ont pas eues. Mais les jeunes ont eu cette initiative et moi, ça m'a plu. Hier, vendredi, vous étiez donc à un atelier qui traite du sport pour le troisième âge, donc du sport pour des gens plus âgés. Êtes-vous une formatrice ou une simple participante? Je rectifie, ce n'était pas une formation à sport. C'était une formation pour la santé et le bien-être des personnes âgées et l'auto... Comment dirais-je? L'auto... Traitement, parce que les personnes âgées qui sont là, il y en a qui ne peuvent pas aller vers les centres de soins. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait la formation. Bref, on ne parle pas de la formation, on parle du sport des personnes âgées. Je suis formatrice, mais hier, là, je n'étais pas formatrice. Je venais recevoir ce que l'OMS avait à nous donner avec les médecins et les gens qui... Les masseurs, là, comment on les appelle? C'est ceux qui massent les gens. Oui, c'est une activité qui est aussi développée... Qui est développée actuellement. Et il y a un monsieur, l'ex-ambassadeur de l'Inde, qui est venu nous apporter vraiment quelque chose sur la relaxation, les étirements. Pour la personne âgée, et cela est bien. Sinon, permettez-moi de parler un peu du sport de ces personnes âgées-là. Vous savez, au niveau de la RTB, ici, on faisait RTB Matin. Oui, c'était une émission qui est très bien suivie. Qui était très bien suivie, surtout par les personnes du troisième âge qui n'ont pas, avouons-le, de cadre à proprement parler pour s'exprimer. Parce que partout où vous allez, il y a les jeunes qui sont là avec le ballon, il y a les jeunes qui sont là, qui occupent tout. Moi, j'étais avec des personnes âgées au stade municipal, je sais ce que c'est. Et on a été obligé d'arrêter parce que les tirs de ces jeunes qui jouent, quand les jeunes jouent, ils jouent vraiment. Et on a vu vraiment le danger que ça portait. Maintenant, on s'est déplacé ailleurs. Mais ce n'est pas toutes les personnes âgées de la ville de Ouagadougou qui peuvent rejoindre un seul coin. Si on pouvait vraiment aménager des endroits, pas seulement pour les personnes âgées, mais... pour qu'au moins, eux aussi, ils aient leur place pour pouvoir s'exprimer. On a beaucoup d'espace à Ouaga. Hein. Il y a l'échangeur de Ouaga 2000, les quatre coins, on peut aménager en parcours sportif. Et les personnes âgées qui sont aux alentours là-bas peuvent sortir marcher. Est-ce un plaidoyer pour votre génération? Oui, oui. Oui. Un plaidoyer pour l'association, mais un plaidoyer aussi pour les personnes âgées. Merci, coach, pour toutes ces informations relatives à la pratique du sport, du maintien. Oui, une activité, le sport, on le dit, hein, est bon oui. Pour la santé. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Et nous partons à l'international. C'est donc en Afghanistan, des frappes américaines contre une cible du groupe État islamique. Washington a répliqué à l'attentat du jeudi. Regardez.
il ne reste plus que 3 jours avant le départ des troupes américaines d'Afghanistan. Mais pour la France, clap de fin pour le pont aérien. À l'instar de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne ou encore du Canada, la France a mis fin aux opérations ce vendredi après avoir évacué plus de 3000 personnes, dont 2600 Afghans. La centaine de militaires français encore présents et l'équipe de l'ambassade de France à Kaboul ont également quitté le pays. Mais plus de 5000 personnes sont toujours réfugiées à l'aéroport de Kaboul et les talibans ont affirmé avoir pris le contrôle de plusieurs parties de la structure, ce que le porte-parole du Pentagone a démenti. Pendant ce temps, Washington a répliqué sans tarder à l'attentat de jeudi revendiqué par l'État islamique et qui a fait au moins 85 morts, dont 13 soldats américains. Les États-Unis ont mené une frappe de drone contre un organisateur du groupe État islamique en Afghanistan, une frappe lancée depuis l'extérieur du pays. Le commandement central américain affirme avoir tué la cible. Lorsqu'on lui demande si l'objectif est de tuer ou de capturer vivant les auteurs de l'attaque, la porte-parole de la Maison-Blanche répond sans hésiter que le président américain souhaite les voir morts. Mais à 3 jours de leur départ d'Afghanistan, les Américains préviennent que le risque d'autres attentats persiste. Au total, plus de 100 000 personnes ont été évacuées depuis le 14 août, veille de la prise de pouvoir des talibans. La plupart des pays ont désormais mis fin à leur pont aérien, et même côté britannique, les exfiltrations connaissent leurs dernières heures. Je reprends pour vous ce communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle de sortie des élèves officiers de l'Académie militaire Georges Namoano de Pau, placé sous le très haut patronage du président du FASO, président du Conseil des ministres, chef suprême des Forces armées nationales. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées ce samedi 28 août 2021 à 18h dans l'enceinte de l'Académie. Le limite d'arrivée est fixé à 17h. 30 minutes. Ainsi s'achève cette édition. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. Bon week-end à tous. À bientôt.